Week 5, day 3. We've got a lot of volume today, so let's get into it. Read our disclaimer on screen or in the description section in case of an emergency. Lisez la fiche de non-responsabilité sur l'écran ou dans la description en cas d'urgence. The standard weight for a sandbag is 20 kg, but any sort of resistance is good for this workout. Les sacs de sable force pèsent 20 kg, mais n'importe quelle résistance serait bien pour cet entraînement. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin que vous sachiez exactement quand du nouveau contenu est disponible. For week 5, at some point this week, you're going to be expected to perform the following. 3 sets of 3 reps of 10-meter sprint plus a drop and hand release. 6 sets of 8 sandbag lifts. 4 séries de 3 navettes chargées et non chargées sur 40 mètres. 2 séries d'une traction de sac de sable avec une plaque de 10 livres supplémentaire. All exercises are to have a work-rest ratio of 1 to 2. Si ça vous prend 30 secondes à effectuer les mouvements, vous prendrez une minute de repos entre chaque série. Si vous avez accès à une installation Test Force où vous pouvez pratiquer ces mouvements avec les vrais sacs de sable utilisés pendant l'évaluation force, faites-le. If not, seek out a local gym where you're going to be able to perform sled drags and use the equipment that's similar to that used in the force test. Have a good warm-up and we'll see you in the workout. D'accord tout le monde, c'est journée 3. C'est parti, on va se réchauffer avec deux séries de 12. Good morning, 12 burpees, suivi de 8 lézards alternés avec rotation. Ok, alors c'est parti, on commence avec des good mornings, on met les mains en arrière de la tête. On envoie les fessiers vers l'arrière. Dès qu'on sent dans les ischio-jambiers, on se relève. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on fait 12. Burpees, c'est parti, poitrine au sol, on lève les mains et on se relève, on saute. Vous n'êtes pas obligé de sauter, alors gardez ça en tête, mais vous êtes obligé sur le test force de lever les mains, alors faites-le. Maintenant, on fait la lézard, les mains au sol, en planche, une jambe en avant, on fait la rotation du corps et on revient. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 et on se relève pour la deuxième série. Ok, good mornings, c'est parti. 1, 2, 3, envoyez les hanches vers l'arrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nice job tout le monde. Ok, cette fois-ci on fait les burpees. Alors, c'est parti, poitrine au sol, on lève les mains, on saute. 1, 2, si vous voulez vous lever avec une jambe en avant. 3, c'est bien pour pratiquer.
pour la test force. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Ok, très bien. Et on fait les lézards alternés avec rotation. Une jambe en avant. On fait la rotation. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, oh, c'est parti, c'est fini. Ok, bravo tout le monde, on est bien échauffé et c'est parti pour l'entraînement. Bienvenue dans semaine 5, jour 3. Alors aujourd'hui, on a 4 séries de 12 sandbag lifts, 12 hollow body press, 20 sandbag swings qu'on finit toujours les reps sur l'épaule avant de redescendre. On prend 30 secondes entre chaque série et entre les deux parties, partie 1 et partie 2, on va prendre une minute de repos. Après notre repos d'une minute, on va effectuer 4 rondes de 12 sandbag lifts, 10 fentes alternées de chaque côté et 30 shoulder taps, prenant 30 secondes entre chaque série. Ça fait beaucoup, bon courage, c'est parti. All right everyone, we are off. 4 rounds, 30 seconds in between. 12, 12, 20 sandbag deadlifts, 12 hollow body press, and then 20 sandbag swings. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, keep the weight in the heels, 11, 12, keep that back nice and straight, push your lower back into the floor here, keep the legs off the ground, bend them if you need to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. And I'm gonna go immediately into my sandbag swings. 1, 2, alternate if you want. 3, use your hamstrings. 4, keep the heels on the ground. 5, 6, 7, 8, you can alternate shoulders if you want. 9, 10, 11. 12, use those hamstrings. 13, don't do so squatty. 14, like that. 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right, we've got 30 seconds to rest. On those sandbag swings, don't do it so squatty, okay? I want you to think about using your arms as a tether so that the bag doesn't go flying, but you're letting your arms fall, using your hips back, and as soon as they come forward, that's when you're only using the strength from your arms to pull the bag onto your shoulder. All right, deep breath. Here we go for set number 2. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, on garde le dos droit. 5, on regarde pas en avant, on regarde au sol, 5 à 10 pieds en avant de nous. 9, 10, 11, 12. On est au sol, en creux, on appuie le bas du dos au sol. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On met ça par terre
et on prend le sac pour les élans. 1, 2, 3, 4, 5. On utilise les ischio-jambiers. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Grande respiration. Il ne reste que 30 secondes à respirer. Okay, everyone, deep breaths. Make sure you're breathing. Okay, on those hollow body press. If you need to bend your knees, that's fine, but try and make sure that you're pushing your lower back. You should actually kind of look like this on the floor. If you can't get your lower back to the floor, it's probably because you're lowering your legs too far down. Bring them up a little bit, but try and keep them straight if you can. All right, everyone, deep breath. We're gonna go round three, starting in 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, back straight. 7, 8, 9, 10, 11, 12. I'm on my back. Here we go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gonna work on that core strength here. And sandbag swings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Done. Nice work. We've only got one more set. Il ne reste qu'une série de 7 parties 1. Après ça, on va prendre une minute de repos avant de commencer partie 2. Ok. Sandbag deadlift. Gardez la vision 5 à 10 pieds devant vous. Ne regardez pas comme ça pendant qu'on fait les deadlifts. Ok. 3, 2, 1. Série numéro 4. Allez, ne lâchez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On utilise le dos, l'arrière des jambes. Et ici, on utilise le bas du dos, on appuie au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va finir avec 20. Élan. 1, 2, 3. On utilise les hanches. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. Et on a fini avec partie numéro 1. Alors pour partie numéro 2,
on a 12 sandbag lifts, 10 fentes alternées de chaque côté et fentes arrière de chaque côté et 30 tapes d'épaule. On prend une grande respiration. On va reprendre notre souffle pendant qu'on récupère. On pense de garder le dos droit en faisant les levées de sac de sable. On utilise les hanches. Dès qu'on arrive aux hanches, on tire avec les bras. Au lieu de mettre sur l'épaule, cette fois-ci, boum, on pousse contre le mur imaginaire ou bien on le lève devant nous. Si vous voulez lâcher à chaque fois, ça serait bien pour commencer à avoir le technique pendant la test force. Okay? So if you want to drop the bag at every time that you lift it, that will help you prepare for the sandbag lifts. But if you're not in a position to drop the bag at every time, then that's totally fine. Just place it down nicely. I don't want you to ruin your floor or even the object that you're using, like a dumbbell or something like that. Okay? All right, everyone. Série numéro 1, partie numéro 2. Ça commence en 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. J'utilise mes hanches. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 12. On fait 10 fentes arrière. Alors je mets la charge sur mon épaule et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 de chaque côté. 5, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, c'est 10 de chaque côté et 30 shoulder taps et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Essayez pendant ces shoulder taps de ne pas basculer de un côté à l'autre. On essaie de garder le dos bien stable, le tronc bien stable et bien carré, carrément parallèle au sol. Reprenez votre souffle et on va commencer round 2 dans environ quelques secondes. Okay, get ready for those sandbag lifts. This time I'm gonna hang on to the bag and see how it's different. It's gonna be different on the grip for sure, but if you can drop it, then definitely do that, get into the rhythm. 3, 2, 1, let's go. 1, using my hips. 3, 4, 5, keep the bag close to you. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You want to keep the bag close to you so that you're not trying to lift something that's super far out in front. You can recruit more muscles to lift it if it's in front of you. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 per side. And here we go with the shoulders. That's 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. See, I'm not rocking back and forth. 15, 16, 17, 18. Come on with me now. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bam. Whew, I got a little puddle started here. Whew, I hope you do too. But wipe it up so you don't slip on it. Okay, round three is gonna start in about 20 seconds. Make sure you're breathing. Catch your breath on those sandbag lifts. Keep the bag close to you. Garde-le ça proche de vous pour que vous puissiez focuser sur l'élévation du sac. Okay, I want you to focus on the lifting of the bag and not on like pulling it towards you, okay? Vertical is much easier than diagonal. Okay, everyone, I've talked too much. I'm gonna drop this time. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3. Practicing getting that grip. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh no, just 12. Whoops, that's an edit. Okay, 10 reverse lunges. I won't edit it. It's okay to do extra reps, just not every time. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Here I go with my 30 shoulder taps. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 10 more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and we're done for round 3. On va continuer. Numéro 4, round numéro 4, série numéro 4, en quelques secondes. Mais avant ça, on va récupérer pendant quelques secondes. Okay. Il nous reste environ 15 secondes à récupérer. Alors prenez avantage et davantage, on va faire une dernière ronde avec toute notre force. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, je garde le sac proche de moi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et prends le sac, mets sur l'épaule. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Et je finis avec 30 shoulder taps. Oh, let's go. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. On donne toute la force dans notre corps. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, boum! Et on a fini. Oh, vous voyez le sueur que j'ai sur mon t-shirt. J'espère que vous transpirez aussi. C'est le vrai transpiration. Ok. Assurez-vous de, avant de retourner à votre journée, faire un retour au calme. Le lien se trouve dans la description. Alors cliquez dessus, faites le retour au calme. Et on se voit dans semaine 6, le dernier semaine du programme Préparation Force avec Sac de Sable. À bientôt. Like this video and subscribe to our YouTube channel so you know exactly when new content is coming your way.